Pacturas? Il préfère regarder. Ah. Bah, je suis pas dedans, donc j'apporterai pas grand-chose. Bah quand t'es dans le chat, ça fait plaisir en vrai. Hein. Donc tu peux, enfin, tu pourras Bah, apporter quelque chose en vocal, hein. Pas de soucis. ça irait sur le... J'irai mes conneries sur le chat, t'inquiète. 23? Ah bah oui, 23. Ouais, 23h, ouais. C'est vrai, il a pas tort. Ah oui, déjà. Il a pas tort. Pourquoi? Ben non, votre stream c'était à 20h. Oui, Il est mais... 23h. Oui, voilà. Bah, il a pas tort, en fait, d'un côté. Que, du coup, le truc va être à 23h. Ça, mais c'est une rediffusion. C'est pas du direct. Putain, cette tatane que j'ai mis, gros. Avec l'analyse. Ah. Ah, attends, je reviens. Il se recasse. Mais attendez, depuis tout à l'heure en stream, on voit que dalle en fait. On voit que dalle. Oh là 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 là. Encore. Le mec fait une review, juste le boss. Simer s'en bat. Le magicien. Alors. Faut que je refresh en fait la page. Comment Ah. ça va, Samba? Tranquille ou quoi? C'est parce que je devais casse votre BO et du coup je l'ai pas fait quoi. Parce que j'ai pas eu le temps, ce qui m'a bien fait chier, du coup je fais une petite review. Alors, bon, c'est bon, tout est ok. Vous pouvez bombarder le chat, je suis attentif à tout. Nickel et toi? Un peu déçu d'avoir perdu le BO contre Auxerre, mais on leur a pris deux games alors qu'ils avaient pas perdu d'RBRS. Et ils nous ont bien félicité derrière sur leur Discord, on est allé voir. Donc ça fait plaisir, mais un peu déçu d'avoir perdu quand même. Ouais, un peu déçu d'avoir perdu. Alors du coup, voyons voir vos games. Maître est content d'avoir Presque des BO. la tête volante, Miracle, de toute façon, toujours. Ouais, deux games, c'est déjà insane, mais je comprends la déception. Ouais. Tu veux pas le mettre sur Discord, Ah ton ouais, truc? si, désolé, désolé, j'ai oublié. T'inquiète, t'inquiète. Ça nous aussi. Regardez. Allez, go. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La spike, ok. Ah, Samba, t'es bien sur le backpost là, c'est nice. Samba, c'est nice là. En vrai, il tient bien son backpost. Et Skuxi, toi, tu fais un bon back. J'aime bien. T'as hésité avec le boost. Avoue, ça t'a fait mal au cœur de pas prendre le boost. Je vais pas commenter les actes que j'ai fait. Parce que j'ai fait quelques trucs de merde. Oh, ça c'est Là, tu... parfait, ça c'est tellement Là, beau. tu pourras tellement te foutre de ma gueule, gros. Ah ouais? En vrai, ce sera drôle, ce sera drôle. Ah ben. Ah. T'as failli retomber dedans. T'as un peu retombé dedans. Mais ça va, ça va, ça va. T'as ralenti et disons que la volonté de bien faire était là quoi. Ouais, pour l'instant ça joue bien, c'est propre. Plus celle-là, vous l'avez. Mais vous l'avez senti comment le BO du coup? Parce que comment ça? Bah genre vous étiez bien, vous avez eu l'impression de bien jouer. Ben moi j'ai vu au niveau de Samba et puis de Spike, bah Samba je sais pas ce qu'il avait, monté d'adrénaline gros, enfin il a tout cassé. Oh, la pomme qui met là. Spike
enfin, franchement, il a assuré aussi. Et moi, j'ai regardé. Bonjour, je suis là, mais pas. Tu vois, je suis là, mais je passe comme si c'était du vent, tu vois. Ouais. Je fais des touches, mais elles sont pas. Bon, on va voir ça. Mais ouais, c'est cool que comme ça que tu donnes tes impressions, genre sur les balles et tout, comme ça on peut les commenter un peu, quoi. Ah, ça c'est bien, Spike. Ah là là, Spike qui tient le backpost. Bien joué. Ah, mais sur. On était les trois là, Stark. Spike et moi, on était les trois à regarder votre match. Il nous a fait chier avec son putain de backpost. Ah ouais? Ah, je te jure. Ouais. On a lâché l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il regardait à chaque fois si on y était? Ouais. Et puis, ah, moi je n'y étais pas non plus. Ah, moi j'ai été fou le backpost. Hein. Je l'ai pas lâché. Hein. Et les mecs qu'on a joué ce soir, c'était des 2000 elo quoi. 1900-2000. Ouais, non, mais vous êtes super bien battu. Hein. Ouais, c'était cool. Parce que attends, 18 arrêts sur 23 tirs, je crois. 26. 26 ouais. Je sais plus. 26. Pour un seul but chez eux, donc en soi. Ouais, et nous on était à 14 tirs sur la même game. Ouais, ouais. Et on est à 18 arrêts, ouais. Grim 8, moi 7, map 3. Ça va tellement augmenter sur le stat là au RBRS, ça va être n'importe quoi. Bah, j'étais déjà 3ème, moi. J'étais déjà à 39 save. Putain. Donc 39 plus 18 maintenant. Ouais. Parce que j'ai fait 18 saves en tout sur le BO. D'accord, ok. On s'était amusé à compter avec les gars. Toujours la belle barre. Mmh. Et là, celle-là, c'est sympa. Hein. Ah, magnifique. Ah, ça, c'est un bonne praline comme on les aime. Parce que Xy, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Bah, le drop, elle est en dessous, hein. Qu'est-ce que tu fous? T'as cru que t'allais partir en flip reset, là? Aïe. Non, en vrai, ici, t'aurais du back parce que t'avais pas d'élan. Tu pouvais pas la récupérer. T'es pas d'accord? Non, mais je sais pas, moi j'ai tenté, bon écoute. Bah t'as eu raison de tenter, hein? Là je te charrie un peu quoi, mais t'as eu raison de tenter. Le problème, après le truc c'est que vu que t'as tenté, là t'es en retard pour aller récupérer une passe mid de Samba. Si t'avais pas tenté que t'avais back instant, là t'aurais pu aller mid pour récupérer la passe. Ouais, c'est sûr. Mm. Mais non, faut tenter, faut s'amuser, quoi. On est là pour ça. Hein. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent. On a une petite review de replay avec Skuxi. D'ailleurs, je reviens, j'ai juste changé le titre. Et on est aussi avec Stark, très grand fidèle de la chaîne. Toujours. Voilà, c'est changé. Let's go. Oh là là, Samba, ça fait plaisir. Oh non, ça ment. Ouais, ça, non, mais il était on fire. Ah, bien vu, ça se fixe. Ah, dommage. Ah, vous aviez tellement bien joué ici. Oh, ça c'était tellement bien joué de la laisser pour Spike. Ça va, ok, les open, c'est pas mon truc. Mais en vrai, le clear que t'as balancé était inside, mec. C'était inside. Moi, ça me fait plaisir. Je m'en fiche que t'as raté l'open. Ton clear était inside. Là, Spike, encore une fois, il est un peu trop avancé sur ton tank P3. Encore une fois, ça sert à rien de vous avancer ici. Parce que typiquement, sur ce genre de balle, vous êtes trop près pour avoir suffisamment d'élan pour récupérer ce genre de ballon. Alors que si t'es là, juste là, c'est easy. Ouais, bah. Donc vraiment, prenez l'habitude de rester
sur la ligne médiane quand vous voulez récupérer une balle backboard ou quoi, ou quand vous êtes P3. Ça sert à rien de s'avancer ici. Non seulement vous vous exposez, mais vous pouvez pas aller sur toutes les balles. Donc restez vraiment derrière. Enfin, restez vraiment au niveau de la ligne médiane. Ça marche. Bon, là, le bac de Spike, il est laborieux. Mais ça va, jusque-là, en vrai, vous êtes solide. Hein. Franchement, il manque un petit truc pour que vous soyez vraiment à fond, mais ça, ça sent que c'est votre game de chauffe, quoi. Pour ça, je suis pressé de voir les autres. Je suis pressé de voir les autres. Et là, déjà, on sent que vous essayez d'appliquer ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait plaisir aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai parlé de la review, du coaching qu'on a fait tout à l'heure avec Twinkle. Et elle m'a dit que je soulignais pas assez vos points positifs. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, mais après, je m'en fous. Moi, je préfère parler des trucs qu'on n'a pas bien géré que des trucs qu'on a bien géré. Les trucs qu'on a bien géré, ben, c'est bon. Enfin, même si c'est cool, d'en dire, ça sert à rien. Moi, je trouve que pour moi, ça me sert à rien. Si, ça sert parce que ça te donne des exemples que tu peux suivre, du coup. Et ça te donne des bases sur lesquelles tu peux te consolider. Savoir que tu fais bien telle chose, ça t'encourage à faire la même chose et à continuer à la faire. Alors que sinon, tu pourrais la remettre en question. Bah, je sais pas. Moi, j'ai pas cette impression-là. Genre, toi, quand tu fais une bonne rota, tu sais que tu fais une bonne rota et tu sais que tu changeras jamais. Bah, je fais une bonne rota et puis si on me dit rien, c'est bon, hein. Ah ouais, tu fonctionnes comme ça, toi, si on ne dit rien, ça y est, c'est... Ok, ok, ok. Ah ok, ok, non mais je comprends. Non, puis il se pompe déjà assez, y'a pas besoin d'en rajouter. Là, je comprends mieux encore. Merci, merci d'apporter cet éclaircissement. Pas de soucis. Alors du coup... Ah ça, c'est les bons challenges de Skuxi, ça. Oh là 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 là, les bons dogs comme ça là, avec fermeté. Salut Twinkle. Quand on parle du loup. Oh là là, oh là là, quel dommage. Oh non, Skuxi. Mais non. Mais non, c'est trop triste. Oh, son tir était tellement propre. Avec le petit roll et tout, c'était trop clean. Putain, sympa. C'était trop clean, gros. Oh non, trop dommage. Ah là, le cut de Spike, il est laborieux. Mais il a vu que Samba était trop avancé, je pense. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'il a vu que Samba était trop avancé, du coup, il a préféré challenge. Ouais, je sais, je suis un peu insane. En vrai, t'as pas voulu la mettre parce que tu respectais tes adversaires. Tu t'es dit non, ils ont une famille et tout, ce serait trop abusé de leur mettre ça, quoi. Exactement. Y'a des bons follow ici. Samba, par contre, c'est pareil, là, t'es trop avancé. Ouais, t'es trop avancé ici. Comme pour Spike tout à l'heure, mais à un moindre degré, tu dois rester derrière. Enfin, tu dois rester plus derrière la ligne médiane. Ça, c'était la technique de l'instant cut, on la connaît. Le cut réalisé plus vite que ton ombre. Bon clear, ça... Oh là là, Skuxi, t'as failli nous régaler là-dessus. Hein. Oh, Samba qui est bien placé, Samba la frappe! Oh, quel arrêt. Ça, c'est cool parce que Spike, ça rappelle un peu une action qu'il avait faite lors du BO contre N-Brain. Où il s'était chié, il avait fait une passe à l'adversaire. Il était parti exactement de la même façon. Je sais pas si tu te souviens, Skuxi. Non, je me souviens plus. Ouais, il part exactement comme ça, sauf qu'il fait une passe à l'adversaire, c'est dégueulasse. Il avait fait exactement le même move. Ouais, bah là, c'est... voilà. Le problème c'est que j'ai pas pu suivre. Ouais, c'était pas trop mal. Pourquoi tu pouvais pas suivre d'ailleurs? Il m'a écrasé. T'étais un peu trop près aussi. Ouais, non mais... Ouais, t'étais trop près, t'aurais dû rester au niveau du pad. Je pensais que Tisla pouvait l'avoir donc... Ah ouais, non, il était full en marche arrière. Mais ouais, je vois.
Là encore une fois, c'est un problème d'espace. Mais dans tous les cas, ouais, je pense que Spike, il devrait peut-être arracher le capot dans tous les cas. Là, pareil, Spike, il est trop près. Et il veut cut Samba. Ouais. Là, ça manque de com. Spike, s'il veut y aller, il doit y aller, mais déjà, il doit prendre plus d'espace et il doit bien la com. Parce que là, il est en mode... Il a fait, je cut, allez, à le bordage. Ah bah non. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, dommage. Ok, là, bon réflexe de Spike. Il est allé direct au backpost et cette fois, il est bien allé. Enfin, au moins, il est au niveau même niveau que le backpost. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, Skuxi, bon saut. Fallait sauter là-dessus. Fallait full sauter. Ah, c'est pas mal ce que vous faites jusque là, mais ça manque de folie votre match là. Hein. Ouais. Ça manque un peu de folie quoi. J'espère qu'il y a un moment où vous allez nous emballer tout ça quoi. Parce que là, ouais, ça manque un peu de folie. Ça manque de bonnes grosses actions des familles. Là je veux. Oh là là, quel arrêt. Spike il est chaud au niveau arrêt par contre. Hein. Mmh. Spike il est chaud au niveau arrêt. Ok, nice clear. Nice ça. Nice ça l'appel de Spike. Là l'appel il est bon, il était en train de rota, il a vu qu'il y avait une possibilité de passe pendant sa rota. Et nickel. Bon dommage il la touche pas parce que bon il manquait un peu d'aile aussi. Mais nice appel en tout cas. Nice appel, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, encore une fois, il y a 2 P1 ici. Il y a 2 P1, pourquoi il y a 2 P1? Parce que Skuxi. Tu fais demi-tour pour y retourner alors que tu devrais back. Tu vois? Ouais. Du coup, vous êtes 2 P1, total. Samba qui fait la pire marche arrière du monde. Aïe aïe! Samba, explique-nous cette marche arrière du démon. Attention. Tut! Tut! Petit moonwalk. Petit moonwalk. Version voiture, du coup. Belle sortie de balle de Spike, Samba bien placé, qui la remet au mid. Oh, Skuxi, quel dommage! Quel dommage! Ouais, chaque fois j'arrive trop tard, ça m'énerve. Bon, en même temps, c'est dur de les marquer, celle-là. Le kebab de Skuxi, on le reconnaît. Ouais, mais je pouvais pas. Ouais, de toute façon. Ah, ouais, tu pouvais pas. Par contre, ouais, Samba a pas anticipé le changement de direction de sa rota. Je pense que c'est une erreur, il aurait dû l'anticiper et ici turn. T'inquiète, c'est une strat. La marche arrière moonwalk. Nouvelle méta sur Rocket. Ouais, du coup, Samba ici. Là, c'est le next level. Mais t'aurais peut-être pu anticiper le changement de direction de Mary. Puisqu'il avait le temps de faire la transition vers Tisla. Et du coup, t'aurais dû cut là directement. Pour backer au backpost derrière Skuxi. Et toi, Skuxi, par contre, t'aurais dû aller backpost. C'est pour ça que tu peux pas avoir la balle, parce que tu veux challenge direct alors que tu peux pas, faut que t'ailles back post. Et que tu finisses ta rota. Là pareil, comme pour Spike, faut que tu reconnaisses quand tu peux pas aller sur la balle et là tu pouvais pas y aller. Donc c'est back post. Et pour voir si t'as la tempo ou pas d'y aller, je pense qu'il faut que tu considères qu'à partir du moment où ton adversaire peut balancer un clear en bénéficiant du rebond de la balle après le sol, dans tous les cas la balle elle va traverser le terrain quoi. Si jamais il arrive à faire ça, tu vois. S'il a de l'espace, il mettra forcément clear. Après, là, c'est aussi un truc d'anticipation, quoi. Ah, dommage. Dommage, dommage. Pourquoi t'as pas tenté une redirect toute simple? Pourquoi t'as tenté de flic? Ah, de dash. Ah, de flic, je sais pas. Je sais pas, hein. Ça m'intéresse parce que moi aussi j'ai tendance à faire ce que t'as fait là, mais je pense que c'est une erreur de le faire. Je pense qu'il vaut mieux faire une redirect toute simple.
et taper avec le bout de ta voiture. Mais en vrai, ça se tentait. Et moi aussi, je le fais, c'est pour ça que je te posais la question. Je fais ce que je peux. Ça me bat pareil, là, t'es trop près. Ça sert à rien de vous avancer aussi près. Vous êtes toujours trop près pour aller chercher les ballons. Même si là, ça se comprenait vis-à-vis de la situation, mais il faut toujours que vous vous donniez plus d'espace. Là, pareil, faut que tu restes ici, Samba. Là, t'es en mode soutien. Et vu que t'es en mode soutien, là, t'es là, grand max. T'as pas besoin d'utiliser du boost ici pour aller sur ta balle. Là, tu utilises du boost, t'as pas besoin. T'as vraiment pas besoin. Ça te fait perdre du boost. Et en plus, t'arrives trop tôt sur l'action. Du coup, t'es trop avancé pour récupérer le ballon de Skuxi ici. Si t'étais un peu plus loin, t'aurais vu que Skuxi pouvait cut, t'aurais vu que Skuxi pouvait te la mettre en l'air. Et non seulement t'auras pas perdu du boost, mais aussi t'aurais eu un meilleur rang pour pouvoir sauter ici. Pouf! Alors que là, t'as galéré. Même si, belle redirect au demeurant, hein. Franchement, belle redirect au demeurant, Samba. J'ai apprécié, hein. Dites-moi dans le chat si vous avez apprécié la redirect de Samba. Elle était incroyable. L'envolée perpendiculaire, direction de la lune, petit demi-tour. Moi, j'appréciais. J'appréciais, j'appréciais. Merci Samba de nous avoir gratifié de cette belle redirect. Oh, dommage! Ouais, non, mais là, j'ai pré-shot. Non, mais. J'avais même pas qu'il pouvait la rater, mais. Après, s'il la ratait pas, donc j'étais out aussi. Et là, Samba, beau placement. Là, Samba, beau placement. Et là, pour le coup, t'as avancé. J'en parle parce que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut rester là. Or, là, c'est peut-être une des rares situations où être ici, c'est bon. Parce que vu que la balle est au sol, t'as pas besoin de beaucoup d'élan. Et là, du coup, c'était parfait. Mais c'est quand vous anticipez ce genre de balle qui revient vers le sol et que ce genre de balle dont vous n'avez pas besoin de beaucoup d'élan pour sauter, là, vous avancez comme tu l'as fait Samba. Et encore, si jamais on regarde bien, t'es quand même là au départ de l'action. Alors que tout à l'heure, t'étais plus là, quoi. Donc déjà, là, t'es un peu plus loin et t'as mieux géré ta balle. Donc retenez bien ce positionnement. Et là, oui, dans ces cas-là, là, vous pouvez un peu plus vous avancer, peut-être au niveau du pad. Ou là, mais pas au-delà. Quand vous anticipez une balle qui revient vers le sol comme ça, là vous pouvez y aller. Et avancer un peu plus. Toujours là pour ça. Nice. Nice, nice. Alors du coup. Là ça y est, là, cette game à 100 balles. Là, il y a un petit but, il y a quelques bonnes petites actions à se mettre sous la dent. Voilà, l'envolée de Skuxi. Est-ce que t'aurais pu l'avoir ici? J'ai plus de boost. Comment ça t'avais plus de boost? T'as full boost tout puis... le temps? Ouais, je et puis après c'était. Puis je pense qu'il a sauté un peu avant, je crois, non? Je me pense pas. Ouais. Ouais, il était rapide. Il était rapide. Et bah, il avait de l'élan, hein. Ouais. Ça, c'est but. Dommage. T'as grid un peu la passe là, Skuxi. Ça va, ça se met bien en vrai. Parce que t'as quand même eu la bonne idée de rotate un peu large. C'est cool. Samba, pareil, trop proche. Ah, mais là, c'est qu'il avait mal anticipé, il avait pas vu switch. Ok. Là, t'avais pas vu switch, je comprends. Pas de problème. Oh, bonne démo. Aïe. Quel dommage. Quel dommage. Là, Samba, faut pas que t'aies peur, faut que tu sautes là-dessus. Non, non, je lui ai call que je l'avais. Ah, tu l'as call, ok. Parce que j'avais plus de vitesse et j'aurais pu la mettre n'importe où, mais bon, ça, je suis débile et puis je la mets tout le temps sur le joueur, donc. De quoi? Au moins, tu le reconnais, c'est déjà ça. Et là, l'overtime. L'overtime incroyable. Ah, bien vu, ça s'en bat. Bien vu. Ça t'a demandé un petit marche arrière dans tes cages. J'aurais préféré que ce soit sans ça, mais bien vu, t'as pris assez d'espace là. Là, son bot, c'est un bon exemple de moment où tu te donnes de l'espace pour prendre de l'élan et sauter super vite. Là, c'est parfait.
tu prends vraiment l'espace pour prendre full élan et pouf. Et t'es plus rapide que tout le monde. Parfait. Alors ça c'est pareil, vous avez tendance à retourner sur vos balles après. Mais gardez à l'esprit que quand vous retournez sur une balle après avoir pris un coup comme ça, vous avez toujours moins de vision que le mate qui est derrière vous. Donc ça c'est un argument pour lui laisser le ballon, pour que nous, si on cut comme Spike l'a fait, on évite de rendre la balle à l'adversaire comme Spike l'a fait. Vous voyez? Donc retourner sur sa balle après l'avoir touché, ok, mais il faut vraiment avoir une bonne idée de ce qu'on va faire en tête. Il faut qu'on ait en tête aussi que celui qui est derrière nous a beaucoup plus de vision. Donc si jamais il y a le temps, privilégiez plutôt de back et de la laisser au P2. Ok. Là, Skuxi, tu pouvais faire bien plus de trucs que Spike ici. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt solide ce que vous proposez là, en vrai. Ah, Samba, c'est pas le back post ça, hein. Ouais, Samba, c'est pas le back post ici, tu t'es trop avancé. Là, c'est transition attaque-défense qui va pas. T'as cru que tu pouvais demander une passe à Spike, peut-être. Mais c'était pas le cas. Et là, tu t'ergiverses et tu te fais au speed parties là, alors que si t'avais tes back posts, ça aurait été peut-être pas easy clear, mais au moins t'aurais pu la lire et venir la couper. Genre, si t'avais été là tout le long. Ah, attends. Là, t'arrivais, tu sautais là et bim, tu pouvais l'avoir. Attention Samba, hein. Avant t'étais un bon élève du back post sur ces deux games, attention, c'est plus que c'était. Hein. Ça met des gros clears mais ça tient pas le back post, hein. Faut, hein. Ça fait le même training mais ça y est, ça se sent plus, ça veut faire des transitions de fou. Maintenant c'est Spike. Voilà, pareil, tu t'es pas assez donné d'espace sur ton tir, Muskuxi. Bon, visiblement, c'est un défaut que t'as eu du mal à résoudre sur ces games-là, en tout cas. Bon, tu m'as dit que tu t'étais pas senti forcément à ton avantage sur ce BO. Ouais. Mais là, ça sent que vous voulez bien faire, à l'image de Spike ici qui s'arrête pour tenir sa position de P3. Donc en vrai, c'est good. Enfin, c'est good. Genre, ça sent que vous voulez bien faire et que vous voulez appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour l'instant, sur ces games, il manque un petit truc qui vous propulse... dans les hautes sphères du Rocket League, quoi. Ou au moins dans le jeu que vous pouvez produire de manière optimale. Ah, Skuxi qui... T'es vénère que tu manges ton micro ou... Skuxi qui fait attaque lance-flamme dans son micro. Ouais, qu'est-ce se passe-t-il? Sérieux? Ah oui. Skuxi attaque déflagration. Ok, bien vu Samba, très très bien vu ça. T'as eu du mal à les mettre les open jusque là, donc repartir comme ça avec une petite balle que tu peux te set up pour faciliter l'open, c'est bien vu en vrai. Moi j'approuve, j'approuve, j'approuve. En plus il était pas facile à mettre celui-là, non bien joué. Allez, replay suivant. Ouais, je reste mitigé, même le but que vous avez marqué c'est un but pas châteux, hein, mais c'est un open quoi, c'est un open donné par les adversaires. Donc ouais, j'attends de voir. Vous avez perdu ou pas contre la Pure Esport, il me semble. Ouais, on a perdu 3-0. Ah ouais, là vous leur avez pris le BO. Ouais. Mais oui, c'était votre premier match, la Pure Esport. Ouais. Ouais. Ah, c'est propre, hein. Voilà pourquoi, hein, El Famoso. Ah ça c'est El Famoso, ouais. Oh putain. Ouais. Karma. Je vais disparaître pour cette game. Ça y est.
Oh, Spike, l'open net, la frappe de Spike et le but! Incroyable avec l'explosion thermique! C'est vraiment un truc de fou! Oh là 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 là! C'est Nuke. Ouais, ça va, explosion thermique, Nuke. Ouais. Il leur a explosé la gueule quoi. Ça ramène pas, t'as mis un goal juste ça. J'avoue. Oh, tu t'es rattrapé? Non. T'as cru, hein? Oh, j'ai cru. Oh, j'ai cru de ouf. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Mais c'était bien joué. La Spike ici, j'aime bien. T'es pas allé prendre le boost. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Privilégier la balle au boost. Très bien joué de la part du joueur Spikey. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce double commit? En vrai, je vais... Non, mais sans déconner, je vais être taquin sur les erreurs que je relève pour animer un peu tout ça. Hein, mais je ferai dans l'exagération. T'inquiète, hein, Skuxi, me frappe pas. Qu'est-ce que c'est que ce double commit? Aïe, 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 aïe. Le double turn. Le turn de Spike, le turn de Skuxi, et ça saute. Et la synchro. J'avoue, putain. La synchronisation du truc. Ah, belle transi, là, de la part de ça. Spike, par contre, ses rota et ses tenues backpost, elles sont terribles. Hein. Il arrive souvent dans le bon tempo à partir du moment où il a de bonnes rota. Bon, par contre, sa touch, là, est pas terrible. Sont clairs. Vraiment essayer de l'envoyer dans les coins. Au moins les adversaires peuvent pas tirer. Mais ouais, non, en vrai, les rotas de Spike elles sont coûteuses. Quand tu veux bien tenir les backposts et tout, qu'il est bien, y'a pas de problème. Oh, Samba ce qu'il vient de mettre. Oh, si c'était but ça. Oh, Samba qui régale ici. Oh là là, Samba qui paye son kebab. Oh là 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 là. Samba qui vient de prendre l'âme de Mary. Ah mais Spike, t'as fait la même contre... Dans le BO de RBRS, t'as fait la même. Dommage. Spike aussi, ça mérite un peu d'aim training quand même. Hein. Ouais, Spike, ça mérite un peu d'aim training. Là, il aurait dû la fake ici. À la limite. Y'a moyen qu'ici il aurait pu la fake. Genre au lieu d'aller direct sur la balle ici, il partait comme ça, il laissait tourner le ballon, après il la reprenait, il partait là. Alors là, simère la caméra. Non, simère la caméra, j'ai dit. Ok. Ils jouent bien en face aussi, ils ont des belles transitions, ils ont des belles idées de jeu. C'est assez sympa en vrai. Oui, ils sont bons. Là, vous êtes bien en place. Là, tu t'envoles bien. Dommage pour la balle qui frappe pas le backboard. Et là, Spike, il y va, ok. Spike, la rota, Samba et lobé. Skuxi, tu la prends. Samba, cut, P de soutien, parfait. Très très beau travail, là, Skuxi. Dommage. Là, le cut de Samba, il est pas naturel, mais il est bon en vrai. C'est ça, c'est le genre de moment où le P2 peut cut la ligne imaginaire pour aller cut le P3. Ouais, ça c'est good. Ce cut là, moi je l'aime bien. Spike, par contre, encore une fois, tu t'es pas adapté à fond. Là, t'as reboosté alors que t'avais vu que Samba avait déjà touché la balle. C'est une erreur. Il aurait dû juste rester derrière et s'adapter vraiment à fond pour Samba, vraiment rester soutien. Mais il y a de l'amélioration. Parce que sur les autres replays, c'était plus Spike qui l'avait avancé quasiment au niveau du deuxième pad, quoi. Donc il y a de l'amélioration. Et il a presque failli avoir le ballon. Mais il est encore trop près par contre. Excusez-moi, j'ai changé de manette. Ok, là Samba. Ah, dommage. C'était pas mal, mais il aurait pu faire mieux là-dessus. T'aurais pu faire mieux sans balle là-dessus. Mais c'est pas mal déjà. La jolie Spike. C'est brouillon, mais ça passe. Sans balle à beau soutien, beau cut mid. Dommage. Spike un peu trop près. Mais ça va. Ah, bien vu ce que c'est là.
de réatterrir direct. C'était bien vu. Le bon cut, le bon sailing. Skuxi qui va régaler. Ah bah non. Dommage. Ah, on tombe trop vite, ça me fait chier. Ça fait trop fort. N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous pensez du gameplay incroyable de Triple S sur, sur ces scrims. Notamment de ce challenge de Spike contre Switch. Malheureusement, il a pas touché le ballon. Il y a beaucoup moins de miss sur cette game en tout cas. Vous êtes beaucoup plus solide. Et voilà, c'est ça que je veux voir là. Putain, c'est ça que j'attendais depuis le début de ces replays. Ce petit grain de folie là qui vient faire une petite transition de samba complètement à l'opposé pour Spike. Oh là là, c'est trop ça que je voulais voir, putain. Oh là, ça marche bien ces passes là pour vous. Hein. Encore une fois, c'est pile sur le chemin de rota de Spike. Ça, c'est parfait. Regardez, c'est pile sur le chemin de rota de Spike. Ah non, c'est après. Ah, je suis fou le con. Ouais, c'est après. C'est pas ah, avant. Ça avance, ça avance. Oui, je suis con. Ok, c'est là. Bon, faut que je reprenne parce que j'étais en fire. Ouais, voilà, c'est pile sur son chemin de rota. Là, c'est pile sur son chemin de rota. C'est pile ce que je vous expliquais la dernière fois. Ça, c'est l'exemple que je cherchais de base. C'est quand vous faites un appel pour une transition, c'est sur le chemin de rota. Quand vous êtes démarqué. Là, c'était exactement ça. C'était sur le chemin de rota de Spike. Il était total démarqué et en plus, il avait de l'élan. Toutes les conditions étaient réunies. Toutes les conditions étaient réunies. Voilà, franchement, nickel. Si vous arrivez à reproduire ce genre de combinaison sur toute une game ou sur tout un BO, vous passerez un cap. Très très clairement. Et là, voilà, bonne frappe de Samba, bon truc. Ça, c'est parfait, ça. Et regardez où est Samba. Regardez où est Samba au départ de l'action, quand il va vers le ballon. Il est même derrière la ligne médiane. Vous voyez ? Ouais, ouais, t'inquiète. Mais en fait, Skuxi, t'es hypnotisé par ma tête volante de Fantominus. Mmh, un peu. En train de bouger dans tous les sens. Ouais, là c'est nice. Beau follow ça. Est-ce que de base t'étais. Eh, de base t'étais PD mid? Ouais, ok. Pourquoi de base t'étais là? Ah, t'étais sur ton chemin de rota et tu revenais. Ok, 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 ok. Là, j'ai vu que son backhead justement. Ouais, ouais. Bah, c'était à toi d'y aller. Hein. C'était à toi d'y aller. Le truc en fait, c'est que t'étais pas parfaitement là où tu devais être parce que t'as été prendre leur boost. Et tu me posais la question de est-ce que c'est une bonne idée. Je crois que c'est toi qui me posais la question. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller prendre le boost d'adversaire comme ça. Alors, encore une fois, oui, c'était à la tempo. Là, c'était serré. Là, c'était potentiellement une bonne idée. J'arriverai pas à dire si là, dans ce cas précis, c'était une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, tu peux voir que prendre le boost adverse, par contre, ça a fait que t'as pas fait la meilleure touch quoi. Est-ce que ça valait le coup de sacrifier un peu la qualité de la touch pour aller prendre le boost adverse? Je sais pas. Peut-être que c'était value, étant donné que vous meniez et qu'il restait 40 secondes. Peut-être que le but c'était juste de les mettre dans leur camp pour éviter qu'ils bougent, et pour ça prendre le boost c'était bien cool. Comme ça ils pouvaient pas sortir, et vous ça vous a gagné du temps pour gagner le match. Donc il y a moyen que ce soit le meilleur play. Mais t'as vu quand même que cette prise de boost t'a coûté de la qualité dans la touch. Tu vois? Parce que là t'aurais pu être... Sans la prise de boost, si t'avais back instant sur les pattes, t'aurais pu être ici. Et là, t'aurais pu la boomer direct. Ou faire une passe mid. Pour Samba. Bon, Samba est à peu près, mais t'aurais pu faire une passe mid de base, tu vois. Cette prise de boost t'a empêché de faire ça. D'arriver suffisamment vite pour tenter une passe mid ou pour faire une frappe directe. Alors que là, t'as été obligé de la prendre un peu de côté. T'étais un peu précipité, quoi. Tu vois. Ouais. Oh là là, Samba. Samba qui carry quoi. Nice. Grosse frappe ça Samba, grosse frappe. On aime. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette game, elle est pliée. Là c'est la suite hein. Allez. Samba, c'était encore. Ça fait que 10 minutes que je vais M-training. Dans une semaine, je suis insane. Let's go, putain. Mais let's go. Ah. J'ai remarqué tout à l'heure, ça l'a vexé.
Ah, par contre, Samba. Ah. Donc voilà, là ça prouve qu'il te faut encore un peu de M-training. Dans une semaine, t'es insane. Donc rendez-vous dans une semaine, du coup. Là, pareil, bon cut, j'aime bien. Même si Samba doit prendre un peu de distance. Ah, est-ce que t'es pas encore à peu près là-dessus? Ça va, en vrai. Je vais prendre ta vue. Qu'est-ce qu'il rigole lui? Ouais. Dans un mois, tu as une botte. Mais ouais, en vrai, Skuxi, là, je pense que là, tu te donnais un peu d'espace. Mais c'était compliqué de faire quelque chose. T'en as pensé quoi, toi, de cette balle? Genre, t'étais chaud là, pourquoi tu partais en flip reset? Je pensais pas que Switch allait se faire bump en fait. Ah, ok. Je l'avais pas vraiment prévu, je pensais que c'était lui qui allait justement me la prendre, c'est pour ça que j'avais continué, sinon j'aurais arrêté. Ok. T'es trop près là-dessus. Bon, ça, l'erreur d'avancer trop près au-delà de la ligne médiane, de se placer ici au lieu d'être ici, vous l'avez tous les trois fait. Comme ça, c'est clair. Là, ça se voit que t'es encore un peu trop près. Là, Samba, bon saut, ça, Samba, oh là là. Bien joué, ça. Ça, c'est le bon positionnement, celui qui te permet de full boost, de faire bien ta bonne aérienne et de full boost comme un porc. Ça, c'est bien, ça. C'est la bonne aérienne. De toute façon, en plus, Samba, je te l'avais dit, mec. Hein, je te l'avais dit quand t'étais encore C3, C2, là, je t'avais dit, t'as des aériennes déjà, c'est. Eh, j'ai pas menti, hein. Ça a toujours été ton point fort. Hein. Ouais, là je vais vous faire chier avec ça. Ouais. Là pareil, 3 avancés, Samba. Samba, là je pense que tu pensais que après la touch de Skuxi, tu repassais P2. Sauf que c'est pas vraiment ça. Vu que tu peux pas challenge, tu repasses P2 au moment plutôt où Mary lobe Skuxi. C'est pour ça que quand, avant que Mary touche la balle, t'es encore P2 soutien, et c'est pour ça que tu dois encore rester derrière la ligne médiane et bien rester en soutien. Parce que là, t'es trop près. Là, par contre, t'es bien. Là, t'es en vrai soutien. Et tu passes pas encore P1. Le moment où tu passes P1, c'est pas le moment où Skuxi il touche la balle, c'est le moment où Mary touche la balle. Pourquoi? Parce que là, Skuxi, il est encore en train de le challenge, il est encore en train de réduire ses possibilités. Donc toi, tu passes P2 maintenant. Donc quand t'es P2 et que tu passes P1, tu dois être ici. Pourquoi? Pour pouvoir faire ça direct. Donc ça, retenez bien ça aussi. Je pense que c'est une des causes de pourquoi vous êtes trop avancé, pourquoi vous voulez avancer, dépasser les médianes alors que vous pouvez pas. Les 3 cm que vous essayez de gratter, en fait, c'est 3 cm pendant lesquels vous pensez que c'est à vous de passer P1, enfin que vous pensez que vous passez P1, alors que non, vous passez P1 genre une seconde plus tard en fait. C'est mon analyse, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, bonne transi là. Oh là, ça vous aimez bien. Oh là 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 là, Samba qui a failli. Oh là là, Samba qui a failli régaler sur cette passe. Là, ce jeu à 3 il régale, putain. Oh là là, vous êtes tellement capable de faire des trucs insane. Ce jeu à 3 il régale tellement. Ouais, bien vu Spike là. Bonne rota. Bonne rota. Bonne rota et bon soutien, Skuxi. Bonne rota des deux côtés. Ouais, vraiment bien joué là, les gars. Bon, dommage, elle était compliquée à lire. Mais franchement, bonne rota. Et bien, bien, belle tenue du back post là de Spike. Nice ça. Ça sert un peu mieux que d'habitude en tout cas. Mais ça va, c'est cool, c'est cool. Ça va, là, on voit qu'il y a de l'amélioration par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oh ouais, oh là 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 là. Mais let's go. Mais let's go, Spikey. Mais c'était quoi ça en fait? Il a dribblé tout le monde. Il a fliqué toute la défense. C'est un basketteur, le gars. Oh, Samba bien placé encore, belle touch. Dommage. Belle passe, ça. Dommage, je l'avais bien lu, là. Pareil, je pense que Samba, encore une fois, t'es un peu trop près.
Et encore, mais ça se jouait, mais t'es un peu trop près pour moi. Il les a juste mangés. Samba, dis-moi ce que tu penses. Je sais pas si t'as écouté, mais du délire où je t'ai dit tu passes P1 pas quand Skuxi touche la balle, mais quand l'adversaire touche la balle. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. En vrai, ce serait cool. Pour savoir si je dis de la merde ou pas. Belle passe ici, bien joué. Mais Samba, t'es encore un peu avancé. Ouais, encore un peu avancé, mais en vrai, c'est cool. Non, c'est cool en vrai. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Là, c'est du micro-positionnement. C'est vraiment du micro-positionnement. Si, si. Samba. Si, si. Samba 2020. J'ai entendu et je pense que c'est pertinent. Nice. Simer, mec. Ça va alors. Si tu penses que c'est pertinent, c'est bon, c'est validé. Du coup, Spike. Ok. Bon clear, ça. Nice. Et ce qui est cool, c'est que vous êtes tous les trois capables de bien sortir un ballon. Oh, cette frappe. Oh, cette frappe. Mais quel dommage. Hey, tu sais que ça tapait la barre, là. Y a moyen, ouais. Attends, je vais me mettre sous les caches. Pour plus de beauté. Amuse-toi. Ah ouais. Trop puissante. Après, vaut mieux que trop que pas assez, hein, comme on dit. Ah bah c'est sûr. Ah ouais, là, frappe bien la barre. Ah ouais, là, tu te prends une sale barre. Donc en soi, ouais, je suis pas mécontent qu'il les a arrêtés. Spike, t'es trop près ici. Spike est trop près ici. Il aurait dû être plutôt ici, quoi. Pareil, retenez bien qu'en termes de distance, de manière générale, t'as un tiers et demi de terrain, quoi. Genre, là, il est un peu trop près, ouais. Il a plus dû être là, quoi. Ouais, il aurait dû être là. Donc. Dommage, là, il y avait peut-être une passe speed à faire s'il était un peu plus loin et qu'il avait attendu. Vous êtes globalement un peu trop proche de vous. Est-ce que... Je pense que cette game-là, je vais la mettre sur ballchaser.com pour avoir vos stats de distance entre vous, parce que ça m'intéresse vraiment, là. Ce serait une bonne stat à avoir. Ah, ça saute bien là. Hein. Yes, bon clear ici de Spike. Oh là là, les clears qui carissent. Bon, pour la minute qui reste, je vais mettre en 200%. C'est parti. Allez, le stream en accéléré, c'est pour vous. Le stream qui fait gerber, ouais, surtout. Hein. Très bien. Skuxi qui n'a pas de goût. Non, mais et même à 200%, je peux dire que Samba est trop avancé ici. Même à 200%, j'ai vu la marche arrière de Samba, là. Non, parce que toi, t'es pressé, toi. Ça a l'air des documentaires en fouette. En vrai, ce serait tellement une bonne idée. Voilà! Putain, Skuxi, voilà! Là, t'avais assez d'espace! Là, tu t'es envolé! T'es un aigle royal! C'était parfait! Voilà! Là, t'as même pu faire tes tornados et tout, c'était magnifique! Maintenant, tu te souviens de comment tu t'es placé là-dessus? Tu te souviens de la distance que t'as avec la balle, ce que t'as ressenti quand t'as anticipé ça? Et tu nous refais la même. Pour être Skuxi, l'aigle royal, à chaque fois. Là, c'est attaque envolée de l'aigle, hein? Y'en a qui est mort là derrière. Et Samba, un open. Un petit whiff. C'est le seul de la game. Ouais, dommage. Ouais, c'est dommage. Mais ouais, ça, ah là, t'es trop près par contre.
Ah, t'es trop près. Mais là, c'est parce que. Là, pareil, là, tu vas aller sur la balle alors que tu dois savoir que Spike y va. Et toi, tu dois te placer pour soutenir Spike. Tu dois t'adapter au mouvement de Spike. Alors, tu l'as fait parce qu'il n'y a pas eu de double commit. Donc, tu l'as fait, mais pas encore suffisamment. Il y a des progrès par contre. Par rapport aux autres replays, là, tu l'as fait, mais pas suffisamment. Non, mais c'est les serveurs aussi. Ouais, 100% en vrai. 100%. Vu ce que t'as mis la game d'avant, je te crois sur les serveurs. J'accepte. Mais là, je suis content parce que sur cette game, il y avait un peu plus de folie. Là, on voyait vraiment que vous compreniez la rota et que vous l'appliquiez vraiment et que ça vous permettait de réaliser des bonnes passes, des bonnes phases de jeu. Et ça, c'est vraiment cool pour le coup. Par contre, il y a un gros problème, c'est que vous vous avancez trop quand vous voulez tirer du coup. Ça, c'est le truc qui est mis en avant par ces games. C'est que vous vous avancez trop pour vouloir tirer. Et je pense que ça vient du fait de ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous pensez que vous passez P1 parce que votre mate a touché la balle, alors que dans ce cas, votre adversaire touche la balle et du coup, vous vous avancez 3-4 cm de trop. Et toi, Skuxi, c'est notamment. Et toi aussi, Skuxi, tu le fais sur d'autres phases de jeu, donc sur les cuts, comme on le voit là, parce que tu penses pouvoir aller cut ton mate, mais alors que tu peux pas. C'est pas encore un automatisme pour toi, la ligne imaginaire, par exemple. Donc, faut que tu y penses pour pouvoir prendre ton espace et pour pouvoir refaire tes attaques envolées de l'aigle, quoi. Ouf, il m'a cru. Ça vous va jusque là en tant qu'analyse quoi? Ouais, t'inquiète hein. Bah, tu pourrais me dire non, va te faire foutre enculé, je suis pas d'accord. Il y aura peut-être... Non, bah, je suis gentil. Donc le prochain coaching, ça serait plus cher quoi. Oh mais celui-là je leur devais parce que j'étais pas là pour cast. Là Samba, tu es pas sur cette balle mais c'est pas une erreur. C'est pas grave que tu sois pas sur cette balle, c'est même logique que tu te fasses lober. Si j'avoue. Salut. Oh là là, Samba qui rejoint, incroyable. Ouais, j'allais me coucher puis après je me suis dit non, j'ai quand même passé. C'est la dernière game. Ah ça fait plaisir. Oh mais non mais ça se voit en plus qu'on est toujours 3 cm avancés là. Ah c'est clair, c'est abusé. Comme tu disais avant. Là surtout là vous êtes souvent là au lieu d'être là. Ouais. Les deux buts que tu mets sur la deuxième c'est la deuxième game. Ouais c'est la deuxième game. C'est deux buts où tu pars de là quoi. C'est assez flagrant. Mais et là, du coup je reprends sur cette action. Là t'es lobé et c'est pas un mal, c'est logique que tu fasses lobé. Tu peux pas couvrir toutes les options. Mais quand t'es lobé par contre, il faut que tu le saches, que tu te dises ça y est, là je suis outplay, et qu'il faut que tu commences ta rota. Là maintenant. Ouais, j'attends du trompe. Ouais, là direct, faut que tu saches que t'es lobé, que tu te dises c'est pas grave, c'est logique que je me fasse lobé, je la laisse à mon mate. Spike, putain, le backpost, incroyable. Incroyable. Un hurrah pour Spike, s'il vous plaît, dans le chat. Même parce que là t'as mis en pause, mais. Ah ouais, non mais que je me pose pile au moment où il est comme ça, c'est incroyable en vrai. Attention. Oh là là là, Spike, ça y est, c'est un nouvel homme. Là, je t'ai dit, hein, ça passe de Samba à Spike, hein, du coup. Et voilà, du coup, tu dois savoir que t'es éliminé et direct faire ta rota. Je pense que là, t'étais un peu en mode ah ouais, je suis lobé, mais ça fait chier, est-ce que je peux pas la récupérer parce que j'étais P2. Non, c'est logique que tu te fasses lobé, c'est pas grave, fais ta rota. Ta Spike est bien placé, en plus, il peut y aller. Si tu le soutiens, vous êtes exactement pareil, sauf que vous avez perdu 5 cm. Mais bon, perdre 5 cm pour que la balle aille dans le corner, est-ce que c'est grave? Enfin, perte à 5 cm, j'exagère, mais. Là, la balle, elle est quasiment au même moment. Quoi. Enfin, y a pas de danger. Cette touch, elle mettait un gros danger supplémentaire parce que Spike était bien placé, justement. Donc, que tu te fasses lober, c'est pas grave. Par contre, faut que tu fasses ta rota. Bon, là, on va call le génie. Là on va call Samba le génie. Parce que visiblement, tu avais anticipé la passe de switch sur Mary. Du coup, tu savais que le backpost était ça. Tu savais que je monte, je pointe. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que je vais me faire baiser parce qu'il y a Mary de l'autre côté. Oh là 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 là, il a anticipé la passe. Du coup, il est resté sur ce backpost. Enfin, non, j'ai pas anticipé la passe. Enfin, j'ai juste vu Mary qui se tournait pas vers le boost. Donc, je me suis dit, c'est une passe. Et ça, il me la colle. Incroyable. Parce qu'au lieu d'aller vers le boost, il a turn vers le mid. Incroyable. Et là, c'est ce que si ta transition attaque-défense, elle est pas bonne. Là tu t'es trop précipité pensant que Samba pouvait récupérer le ballon ou alors que tu pouvais prendre sa place de P1. Alors que si tu voulais prendre sa place de P1, bah fallait que tu sois au même niveau que Samba et que tu lui dises de back.
Ça aurait pu être possible. Surtout si Samba n'avait pas de boost. Par contre, tu peux pas t'avancer pour sauter avec lui. Là, il y a eu un problème de transition de défense. Soit tu décides de le cut parce que tu décides que j'ai besoin de le cut pour aller outspeed Tisla. Dans ce cas-là, tu sautes direct. Genre là, tu t'y vas, là, tu sautes. Et Samba back pour aller récupérer du boost ou je sais pas trop quoi. Soit tu te. Soit tu trusts Samba, tu décides de pas cut. Et tu te mets là, tu prends les pads ici. Et tu te mets peut-être front post ici, genre comme ça. Et tu te prépares à aller backboard si besoin d'aller backboard. Ouais, je pense que c'est mieux. Peut-être même que tu aurais pu te mettre là et Samba. Et Spike aurait pu faire la route à backpost. Les deux se tentaient. Les sauvages. Ouais, là je l'ai. Ouais, mais là, c'est... mais je m'en fous, parce que c'est moi qui ai le but. Ah ouais, ah, elle est belle. Oh, elle est belle. Le respect du backpost. Non, elle est belle, elle est belle. Ouais. Oh, dommage. Et le but. Incroyable follow. Et d'où tu pars là, Samba, qu'on rigole? Ouais, tu pars de la ligne médiane et tu restes plus rapide que l'adversaire contre la ligne médiane. Le nouveau credo. Ça. Ouais. Bah, disons que pour reprendre la balle, t'as pas eu besoin de t'avancer ici avant que Skuxi frappe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce que vous faisiez de base. Parce que vous. Ce que vous avez fait sur pas mal de, d'actions. Non. Après, de manière générale. Oh putain, ce flic. Mais what the fuck. Salut, je m'appelle Samba, je fais l'amour aux adversaires. Mais what the fuck, en fait, t'es sérieux là? Il est sérieux. Pourquoi t'en viens? Ceux, ils m'ont défoncé. Ça respecte le backpost, mais pas les mecs en face. Bon, ce coup-ci là-dessus t'étais encore trop près. N'hésitez pas à laisser la place aux adversaires de tirer pour pouvoir reprendre leur tir. Ou pour pouvoir faire challenge. Si, dites-vous bien ici que vous n'avez pas besoin de vous avancer pour forcer la balle. Parce que vous soyez ici ou que vous soyez là, il n'y a pas de différence là. Et la balle est trop avancée pour que ça ait une différence que vous soyez là. Ou ici, sur sa touch. Dans tous les cas, il vous considérera de la même façon. Dans tous les cas, sa touch sera la même. La seule différence, par contre, c'est que ici, vous ne pouvez pas couvrir sa touch. Là, en fait, il est obligé de l'envoyer plus fort, plus loin, pour que vous puissiez la récupérer. Parce que là, tu peux... Parce que c'est beaucoup plus facile de lober quelqu'un qui est ici que quelqu'un qui est ici. Donc n'hésitez pas à prendre un peu plus d'espace quand vous voyez que votre adversaire a largement le ballon. Restez ici, avoir un positionnement agressif en tant que P1, ça permet de mettre la pression sur votre adversaire. Et si jamais vous êtes lobé, c'est pas grave parce qu'il y a le P2. Ok, alors attendez. Je vais recommencer. C'est pas grave parce que là, il y a le P2. Ok, alors attendez, je vais recommencer. C'est pas grave parce que là, il y a... Bon, ok, j'arrête. Oh, ok, Spike, il est là. Ouais, bon, il y a quand même le P2, il était quand même là. Et ça aussi, ça réduit votre temps de back. Parce que si vous êtes là, ou si vous êtes là, pour back, c'est pas la même. Il y a moins de chemin à parcourir quand vous faites ça. Donc pensez-y, quand votre adversaire est sûr d'avoir la balle, soit vous pouvez back instant, mais ça dépend, soit vous pouvez juste rester là pour mettre la pression, et si jamais la balle va là, bah vous pouvez la reprendre. Et si jamais vous êtes lobé, bah c'est votre but, et vous laissez votre balle au mate, et vous partez quoi. Mais n'hésitez pas à garder de l'espace entre vous et l'adversaire. Grosso modo, si on prend une zone d'influence de votre challenge, essayez d'être le plus loin possible par rapport à l'adversaire dans cette zone. Je sais pas si je suis clair. Si la zone c'est ça, ce que je fais avec la caméra. Imaginons la zone c'est ça, alors mettez-vous aux extrémités de la zone le plus loin possible de votre adversaire, mais tout en restant dans la zone. Parce que c'est là où vous couvrez le plus de trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez?
Être ici ou être ici, ça change rien pour votre challenge, ça n'a pas d'influence. Dans tous les cas, ils voient que vous êtes trop loin. Si vous étiez là, c'était autre chose. Mais si vous êtes là, ça change rien. Enfin, vous avez compris, quoi. Ça, je sais pas si j'ai réussi à être clair là-dessus. Votre silence m'accable. Votre silence me fait passer pour un coach de corps. Non. C'est, on acquiesce en silence. Ah, ok. Surtout, voilà. Et là, son bas, c'était pas 3 cm, c'était 8. Ouais, mais... Après, je me jette aussi sur le bal que je pouvais jamais avoir, mais... C'est pas grave. Si t'étais plus loin, encore une fois, si t'étais aux extrémités de la zone, tu pouvais au moins mettre la pression. Du coup, t'aurais dû... Déjà, de base, t'aurais pas dû être aussi avancé, t'aurais dû rester là. Ah ouais, je suis d'accord. Après, en fonction de la lecture du rebond, je vois. C'est vrai que ça se tentait. Après... Selon la lecture du rebond, tu peux te douter que Mary va l'avoir, et dans ce cas-là, tu restes dans la même zone d'influence. Que tu sois là ou là, ça ne change rien, donc tu peux tracer ta zone, et tu restes le plus loin possible dans ta zone. Et le plus loin, c'est ici. Ouais. Et voilà. T'attends sa touch, en fonction de sa touch, tu back ou tu décides d'y aller. Alors Spike, par contre, faut que je comprenne pourquoi il part toujours comme ça pour prendre ses challenges. C'est un truc de fou. À chaque fois qu'il est P2, chaque fois qu'il doit soutenir le P1 et qu'il fait sa rota, il part comme ça à chaque fois. Il part comme genre perpendiculaire au terrain. Et ça me gêne parce que du coup, il est rarement dans le sens du jeu quand il est P2. Vous avez remarqué ça ou pas pendant les games? En game, non. Sur le replay, là, ouais. Plutôt qu'en game. Comme ça. Là, c'est pareil, si je prends l'exemple... Là, pareil, il est pas dans le sens du jeu. Là, vous voyez, il est encore obligé de tourner perpendiculaire. Il est tout le temps comme ça. D'où ça vient? Peut-être son jeu. Ouais, mais là, du coup, le truc, c'est que, ouais, vraiment, il est pas dans le sens du jeu, quoi, et c'est dommageable. Là, je pense qu'il y a la prise du boost mid qui est peut-être pas optimale. Et, ouais, je sais pas. Je préfère peut-être tirer sur le mur que dans les cages, non? Bah oui, mais c'est une erreur de préférer tirer sur le mur que dans les cages. Parce que, ouais, faudra lui demander. Ah ouais, faudra lui demander. Il maintient peut-être pas ses positions. Bah oui, possiblement, mais à chaque fois tu vois qu'il est en mouvement. Genre là, il est en full boost. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu en retard. Après là, c'est sur cette action, peut-être que sur les autres. Peut-être que là il est un peu en retard, mais peut-être que sur les autres, effectivement, c'est qu'il maintient pas ses positions. Ou alors qu'il tente trop le cut au mid du P2. Mais le fait est qu'il est rarement dans le sens du jeu quand il fait son challenge P2, quoi. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir qu'il règle aussi. Mais c'est bien parce que vu qu'on décèle... Oh là 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 là, mais Spike il régale avec son backpost, mais c'est incroyable. Oh là 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 là, le backpost du Spike. Et ouais, du coup, c'est bien de voir des nouveaux problèmes comme ça, parce que du coup, ça prouve que vous avez progressé durant ce build. Et que vous n'avez pas fait les mêmes erreurs que lors des games. Là, c'est parfait ce que fait Spike ici. Grosse position, grosse pression, c'est nickel. Il fait juste le fight challenge qu'il faut pour que toi, Skuxi, tu puisses la récupérer. C'est nickel. Bon, là, par contre, il est un peu trop avancé. Là, je pense que ça me battait bien. Mais que tu pouvais pas prévoir un tel boomer, clairement. Moi je m'attendais pas, hein. Quand j'ai vu ça je fais yes. Ouais c'est ça, genre t'es en mode yes, ok, c'est bien, merci. Par contre Spike lui est trop avancé, là Spike aurait dû être backpost. Ou peut-être pas backpost mais au moins ici quoi. Ouf, le retour backpost de Spike, un incroyable retour. Bien joué la Samba, bon back. T'es arrivé dans le bon tempo, c'est nickel. Là ça sent la bonne com. Là ça sent la bonne com, on va. Skuxi, tu tiens très bien ton backpost. Et Samba, tu t'envoles parfaitement et ta touch est bonne. Ta touch est très bonne aussi. Ça sent le bon call là-dessus. Je sais reconnaître quand ça sent le bon call. J'ai pas loupé le boost, c'est la question. Non, la question c'est pourquoi Skuxi là, t'es en PLS sur ta touch, t'es obligé de faire ça alors que t'aurais pu partir sur un truc un peu plus stylé. Et c'est parce que t'anticipes la touch de Tisla sur le wall,
et t'anticipes pas son miss, ce que je peux comprendre. Ça c'était prévu ça. Ça c'était prévu ça. Non. All planet. C'était incroyable, ouais. Ouais, là ça on a fait ah, ok. Bah merci. Ok. Ah, là il était dans le sens du jeu, Spike. Là il a fait son challenge PD dans le sens du jeu. Parce que s'il a peut-être trop près, encore une fois. Tu vois que Spike va la continuer, donc tu dois rester en tant que soutien. Tu vois qu'il va y aller, tu vois qu'il va y aller solo, donc ne tente pas la passe, si c'est ça que tu as tenté en tout cas. Et va plutôt pour le soutenir, pour pouvoir récupérer la balle de Tisla. Là, si t'avais été un peu plus loin, si t'avais été au niveau de la ligne médiane, encore une fois, t'aurais pu partir en mode flip reset, ce que tu veux, quoi. Pareil, Scuxi, donne-toi plus d'espace. Ici, t'en avais besoin. Mais t'as quand même très bien géré, hein, c'était très propre ce que t'as fait. Ah, je m'entraîne au pass, hein. Moi, je m'attendais pas à ce boomer, si... Est-ce que... Mais pourquoi tu fliques? Oh, ce flic, il me tue. Pourquoi? Parce que je m'attendais pas à ce boomer. Je m'attendais à une toute petite balle près du... Près du... carton devant les cages, en fait. Pas du tout. Bah... Tu sais, quel drop, quoi. Par ouais. Ah, quel drop en moi, je pensais qu'il allait la faire drop devant les cages. Bim, comme ça, quoi. Ouais. Ouais, à peu près, ou un peu plus à l'arrière, mais dans l'idée. Ok. Ok, ok. Dans ce cas-là, ok. Ah, parce que c'est chelou, quand même, leur terrain, gros. Après, je vois pas tellement comment ils pouvaient la drop, ici. Hein. Bah, vu qu'il a la retouché, je pensais qu'il allait la mettre très en haut, et... mais my bad. Ouais, ok, ok. Bah, par défaut, en tout cas, toujours dans l'idée de rester au niveau de la ligne médiane, partez du principe que... Vous devez rester ici pour récupérer les grosses balles backboard. Souvent, là, le play de la balle qui retombe, alors peut-être que là, vous l'aviez call et tout, et que c'était prévu, dans ce cas-là, ok, autant pour moi. Non, du tout, c'est moi qui l'ai anticipé dessus. Ah, ok. Mais partez du principe que, de base, ce qui va vous faire marquer, ce qui va vous faire créer des grosses occasions, ce sont des grosses balles backboard, comme celle de Scuxi. La balle qu'a fait Scuxi, c'est des balles que vous devriez faire tout le temps, en fait. Ça, c'est ce genre de balles-là que vous devez récupérer quand elles sont backboard. C'est pas les petites balles au mid qui arrivent ici, quoi. Non, non, c'est ces balles-là. Parce que là, la balle, elle est haute, là, la balle, elle est loin, et là, la balle, elle va là, en direction des mates. Donc, c'est plus compliqué pour eux de les récupérer. Et c'est là que vous avez full élan quand vous êtes ici. Et c'est là que vous pouvez mettre toute votre patate. Vous voyez? Ouais. Donc, partez du principe que c'est un gros boomer. Partez du principe aussi que c'est ce que vous devez faire, des gros boomers. Après, oui, si le but, c'était de la mettre dans la gouttière et que t'avais anticipé ça, oui, dans ce cas-là, t'as bien fait de t'avancer. Sinon, il l'aurait avant toi. Mais c'est bien parce que avec la balle dans la gouttière, tu dois t'avancer, que de base, c'est pas le meilleur play. Ok, là, bien joué. Très très beau soutien. Parce que si tu t'avances trop... Tu t'avances trop. Mais Spike, mais ça y est, c'est le roi du backpost maintenant. C'est un truc de fou en fait. Il faut le dire, maintenant c'est le roi du backpost. Hein. Le campeur du backpost. Ah, c'est clair. Oh putain, mais c'est abusé. Il a pas raté une seule fois la tenue du backpost sur tout B. Oh, même là, il le campe comme un gros sale. Il a trop raison. Mais ça y est, il a capté en fait. Et là, il est parfait du coup. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Là, du coup, il est parfait pour la récupérer cette balle. Là, il y va tranquillou. Et là, Scuxi, t'as de l'espace. Là, t'as suffisamment d'espace pour faire ce que tu veux. Par contre, Samba, je sais pas pourquoi t'es là. Parce que je pensais que tu la prenais et il y a eu le call et j'ai raté. Ouais, transition attaque-défense aussi. TP3 mid. Enfin, TP3 backpost. Donc, toujours les mêmes règles. Bon, là, du coup, tu pouvais y aller. Donc, c'était une balle double committable. Donc, je comprends que t'avances. Mais pour moi, t'avances quand même un peu tôt. Genre là, t'avances direct. Alors que t'as Scuxi. Mais c'est ouais, mais regarde. Scuxi, c'est dans le mauvais sens. Donc... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Rotate assez vite, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Et puis là, c'est pas très grave parce que là, tu peux te mettre soutien. Donc,
ça va en vrai. Il y a quand même une petite incompréhension avec Spike, mais... Ouais. Là, ouais, là, c'est vraiment le genre de game que je voulais voir. Bon, ça manque encore un peu de petites folies, quoi, de belles combinaisons. Je sens qu'on peut en faire plus que ça. Mais là, c'est typiquement ça que je voulais voir, des belles actions avec des belles envolées bien d'être en bas de poste, quoi. Par contre, ouais, il y a... toujours ces problèmes de distance. Ah, ça me bat le backpost. Dommage. Ici. Je pense que j'ai cru que j'aurais pu la prendre. Ah, que c'était à toi d'avancer? Non, que le Mary était pas là, que je pouvais la... Ah non, mais il y avait Spike. Ouf. Ah, c'est fantôme, putain. It happens. Ah, mais vous les avez bien martyrisés, en vrai, parce que là, ils vous sont pas approchés, ouais. Quoi. Ils étaient en PLS, quoi, ils approchaient pas de vos cages. Ah, bien joué, ça, on en parlait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Incroyable. Et puis Switch, il la bloque bien. Hein. Putain. Il a bien joué. Ah, je te jure. Je te jure, Switch, il a bloqué 2-3 fois avant qu'elle rentre. Hein. Ça, je vous en ai... on en avait parlé de cette passe quand toi, Skuxi, t'avais tiré à la place. Oui. Au lieu de tirer directement. Base, mais... ouais, je sais. Là, vous l'avez fait, c'était le cas. Bien joué, les gars. Bien joué, la route à ce QC ici. T'as vu que t'étais lobé, du coup, t'as rotate. Même si je pense que tu pouvais peut-être l'avoir sur le wall. Mais le fait que t'as eu ce réflexe de rota, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Après, est-ce que t'aurais peut-être pu l'avoir sur le wall? Peut-être. Mais le côté de la face de rota, c'est très très bien. Et Spike est encore très bien pour son backpost. Ouais, ça c'est très bien joué. Ah, dommage, ton déplacement était vraiment bon là, ce QC. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. S'adapter au cut du mate, aller sur le wall et tout, non, c'était vraiment très très bien. T'étais encore une fois à peu près, mais l'idée était là. Quelle vitesse. Quelle vitesse de jeu. Allez. Allez quoi. J'ai pas réussi à la caisse, j'étais triste à la fin de cette vidéo. Du coup ouais, ça fait plaisir là. Là vous êtes en mode solidité accrue quoi. Là c'est vraiment une équipe, surtout sur les derniers matchs, vous avez pas pris un but, vous avez pas concédé une occasion, vous étiez vraiment très 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 solide. C'était très propre. Maintenant... Ah bah on voit le résultat en un mois et demi, hein. Il y a un mois et demi, puis là... Ah bah... Là vous avez progressé de fou. Vous avez vraiment salement progressé quoi, c'est vraiment cool. Et ça se voit que vous avez bien compris les trucs, pourquoi fallait faire ça, comment fallait le faire, et on voit que c'est même devenu un automatisme. Là, vous êtes dans un mood où c'est devenu un automatisme. Là, vous pouvez vraiment vous reposer sur ces bases-là, parce que vous les maîtrisez. Là, ça y est, vous pouvez vous dire, ça, on sait faire, quoi. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Maintenant, dans l'axe d'amélioration, pour pouvoir réaliser toutes vos phases offensives, pour pouvoir réussir toutes vos touches, pour pouvoir profiter de toutes vos passes, il faut que vous arriviez à gérer votre distance avec vos mates et avec le ballon. Vous êtes trop près. Et particulièrement toi, Skuxi. Une fois que vous aurez réglé ce problème, vous arriverez à être décisif sur toutes vos touches. Vous arriverez à faire toutes les bonnes passes du monde. Vous arriverez à faire des combinaisons comme celle qui marche très bien entre toi, Samba et Spike, où tu lui fais une
une passe pendant qu'il est en train de faire sa rota. C'est ces petites combinaisons-là que vous n'arrivez pas toujours à faire parce que vous êtes trop près. Une fois que vous aurez réglé ce souci, vous déroulerez. Ou forcément, vous déroulerez. Donc GG les gars, BO très très propre. Peut-être que vous êtes la nouvelle équipe la plus forte de la SPM hein, du coup. Je pense pas. Si. J'espère pas, pour mon ego. J'espère pas encore pour mon ego. Bah on est déjà tous GC chez nous donc voilà hein. À vous hein. Ouais, bah vous avez joué, vous, alors que moi j'étais en train de réparer ma manette. Quoi. Ah bah. Et alors ? Enfin. Donc, ouais. Bon, allez, c'est la fin de ce stream, je vais couper la caméra. Mais ouais, voilà mes impressions sur ce BO et voilà la petite review. Bah, c'était cool. Vous êtes vraiment solide. Le avant du après en un jour, bonjour. Ah là, vraiment, c'est pas la même équipe. Hein. Ouais, mais après, faut voir si. Oui, mais après, c'est la perfection. Après, faut viser. Voir si on arrive à le maintenir, ce truc-là. Parce que là, c'était frère dans la tête. Il y avait eu le coaching juste avant, machin. Ouais, mais t'inquiète, au petit déj, tu manges ça et puis c'est bon, tranquille. C'est pour ça que je vous dis quand c'est. Je vous donne des timers. Vous avez fait des bons plays. Là, c'est encore le cas sur le truc. Parce que comme ça, vous pouvez prendre ces timers, ces moments, comme des références que vous devez reproduire sur les games qui suivent. C'est pour ça que je te disais que c'est bien de vous dire ce qui est bien aussi, et pas que ce qui va pas. Mais après, tu peux regarder justement le stream, hein, enfin, du coup, la vidéo, quoi. En soi, elle sera toujours là, donc... Non, c'est 14 jours. Bah après, Backman les met sur YouTube. Ah, il les met sur YouTube ? Ouais, toutes les vidéos, tous les casques que j'ai fait, tous vos matchs d'RBRS sont sur YouTube. Ah, ok, je sais pas. Tu coupes un peu par contre, tu feras. Yes. Moi je coupe ? Ouais. Ah, désolé. Bah, vous me dites si ça continue. Bah, ça a l'air d'aller. Non, mais bon, maintenant déjà, j'ai mangé de line training. C'est pas qu'il mange des backposts. Ah ouais, Spike. Je crois qu'il a mangé du backpost. Non, Spike, vous lui direz. Hein. Limite, je vais lui envoyer un MP, mais c'est backpost. Ah, wow. Il a recoupé le monsieur. Ah, j'ai recoupé. On lui dira. Mais ouais, franchement, c'est backpost. Mais quoi, on lui dit quoi ? Il a géré. Bah, oui, après, j'ai pas menti en soi. Hein. Je te l'ai dit hein, derrière, avant les games. Ouais, t'avais raison surtout. Mais t'as bien joué aussi, hein. Tu disais que t'avais pas trop été bon, mais t'as super bien joué, je trouve. Bah, non. Bah, pas pour moi, en tout cas. T'aurais pu mieux jouer. Ça, on est d'accord, tous les deux. T'aurais pu largement mieux jouer. Mais ce qui t'a manqué, tu le sais. Mais ça a l'air d'être un problème plus profond. T'arrives pas trop à résoudre. Excusez-moi. Est-ce que c'est parce que t'es trop dans l'anticipation quand tu joues ? Ça peut être une raison. En tout cas, il faut que tu trouves pourquoi t'as tendance à trop t'avancer et à tendance à trop griller la passe. Réflexe de freestyler, ça. C'est possible. C'est possible. C'est pour les montages. C'est pour les montages. Mais non. Bah oui, mais justement, même pour les montages, ce serait mieux qu'ils prennent de l'espace pour pouvoir tenter plus de choses. Ça a coupé pour moi. Moi aussi. Oh mais non, c'est relou. Peut-être parce que je parle pas assez fort en vrai. Je vais baisse ta tension au pire. Ouais, je vais faire ça parce que t'as ma copine qui dort aussi donc. Un peu crier. Hein. Ah bah oui, je suis en automatique. J'étais en automatique, ok, c'est bon là, ça devrait être bon. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Ouais. Faut que tu trouves pourquoi t'as tendance à trop t'avancer comme ça, à trop tenter la passe. Et peut-être que ça vient d'une volonté de trop vouloir anticiper. Oui, non, mais c'est même... C'est fort probable, tu vois, il y a
90% de chance que ce soit ça, tu vois. Ouais. Après, faut que tu saches dans ce cas-là que t'es très fort, mais t'es pas non plus Dieu. Tu rentres pas dans la tête des adversaires. L'attaque choc mentale, on rigole, mais c'est que sur Pokémon. Ouais, ça marche. Hein. Ah, mais tu la spammes peut-être un peu trop. Ouais, c'est ça, tu la spammes peut-être un peu trop. Ouais, je suis d'accord, ouais. Bah, la précision, c'est 80%, tu vois. Choc mental, c'est plus, non? Psycho, c'est 90%. Non, non, oui, c'est... Ah, c'est 100, ou 100, je sais plus. Donc, psycho, c'est chiant. Ah non, c'est 100 et 90 de puissance, psycho. Yes. Ah là là, à la casa, mon pote. Ah, ah bah, je te l'ai monté. Ah. Full IV en attaque spé, full IV en vitesse, let's go. En EV. En EV, yes. pardon. Puis en IV, il est un peu éclaté. Ah merde. Ouais, c'est celui que Stark m'a filé. Il avait que ça, du coup, je l'ai pris. Il a fait le gros mendiant. Oh, j'en veux un. Tiens, vas-y, prends. Attends, je l'ai quasiment jamais joué, celui-là, voyons. Est-ce que vous voulez... Samba, tu vas arrêter toi, ou pas, du coup? Hein? Tu vas arrêter ou pas, du coup? Je sais pas, vous voulez faire quoi? J'allais proposer un peu de private pour chiller un peu. Bah go hein! Pire, je dormirai pendant le cours. Franchement. Bah. Stark qui vient du coup ou pas? Bien sûr qu'il vient. Attends, je mets le jeu. Ouais, mais je t'entends pas moi. Ouais, que ouais, toi, je t'entends pas. Je t'entends pas trop non plus, Stark. Ah, c'est parce que j'étais en train de fumer, j'ai enlevé le micro pour pas souffler dedans. Ah, c'est sympa. Voilà, il pense à nos oreilles. Oh, c'est sympa. Oh, attends, je vais virer le stream parce que j'ai pas 12 écrans, moi. Dommage. Du coup, c'est qui Stark? C'est moi. Non, mais ça, ouais, mais. Par rapport à vous, vous avez l'air de vous connaître? Ça fait un peu plus d'un an que je joue avec Skuxi, je crois. D'accord, ok. Un an et demi, ouais. Ok. Ça fait quelques temps. Bam. Un viewer assidu qui nous honore de sa présence très régulière, ouais, sur les... Ça, je sais aussi. J'étais en mode... c'est qui? J'ai pas réussi, tu peux me renvoyer un avis s'il te plaît, Skuxi, j'ai pas réussi à ranger parce que ma souris elle a full coupé. Enfin, full bugué. Nice, c'est bon, je suis là. Putain, du coup maintenant on a la pression, demain soir faut au moins autant bien jouer que ce soir, quoi. Bah ça risque pas d'être compliqué. Ah Samba, t'aurais dû voir ça quand même, on a fait des games, mon pote. Oh là là. Contre serve? Ouais. On a gagné deux games, un overtime de 4 minutes, un overtime de 6 minutes 30. L'overtime de 6 minutes 30, on fait 18 saves, ils font 26 tirs, on gagne 2-1. C'était insane. Ils nous ont invités et tout après sur le Discord pour qu'on parle des games. Oh là là. Bon bah tant pis, vous serez la purée sport, ceux qui tombent dedans. J'ai oublié de changer, c'est pas grave. Auto aussi. Bah auto. Ah. Bah nickel, l'auto, elle est très bien. Pure sport. Bah y'a personne. Ah. Je t'avais pas vu ça aussi. C'est que tu commences en tout seul devant le but. Merde. Pas bump. Si tu m'as bump. T'as rien fait. Si. Ouais, super. Je dash moi. La vitesse où je suis arrivé, ça t'a fait ça, genre. Pas yes. Ah mais attends, mais j'ai le son de. Ok, c'est pour ça, j'ai ton son miracle. Okay. Bou. Oh non, mais putain, ce que si je te déteste. En vrai c'était beau. Tiro, mais je l'ai eu mon jump reset, hein. Mais moi aussi je l'ai eu. Mais t'es sérieux? Il m'a volé mon jump reset. Vous êtes tous témoins dans le chat.
En vrai, non, c'était un tir à la Olivetton. Le tir de la feuille morte. C'est pas l'école des champions, ça, en plus? Non, c'était Olivetton, ça. C'était Olive qui le faisait, en plus. Ah, mais oui, le tir... Code des champions, c'était le héros qui faisait, je sais pas, le tir de l'aigle ou je sais pas quoi, qui ressemblait au tir de la feuille morte. Le flip reset, useless. Mais il était quand même fait. Samba qui me pique mon boost, qui me pique ma balle, tu casses les couilles, gros. Ça dégage. Éclaté. Oh my god. Quoi? Mais Bumpy ça va rien sur ce jeu. Non. Il y en a un qui en peut plus. Oh, c'était pas loin. C'est pas ce qui s'est passé, j'ai retiré ma cam vu que l'autre il m'a bump là. Ok. Le trou de souris. Oh dommage. Moi j'attendais que ça mais... Ouais mais je fais chier mes bêtes. Oh le bump. Oh quoi? Mais touche la save pas, t'es sérieux? Tiens t'as squeezy save là que tu spam. Oh y'en a un qui me... Ah merde c'est vrai. Moi je l'ai vu trop tard. La compréhension chez les... Ouais j'ai dit trop tard aussi donc... Juste oh non mais quoi? Mec j'ai fait un double dash quoi. Oh bâtard. My bad, je suis c'est bien. Ça insulte les joueurs après, c'est nickel. Désolé, désolé, je suis éclaté. Oui. Le fameux coup de pluie. Un jour ça passera. Merde. Bouh. Merci. Bouh. Sérieux. Ça marche hein. Non, non, mais c'est juste la preuve. Mal placé, c'est tout. Non, non. Putain. Oh, t'es sérieux avec ton dash? Le petit hélisto là. J'ai plus de caméra. Ouais, c'est bon. Ah. C'est pratique ça. Ça peut être un peu chiant. Mais... Ouais, je pouvais pas y aller, je pouvais pas. Oh, dégage! T'as pas l'impression d'embêter là un peu là? Ça va, ça va. Avec les moyens. Ok alors attention je boue. Attention Samba, prépare-toi je boue. En vrai je suis obligé de full back hein. Non. Merci. Et tu me touches quoi, j'ai pépé. On va bourrer. Ah, yes. C'était pas bon. Oh non, mais je suis vraiment le pire. Ah putain. Dommage. Mm.
enfin demain faut que je conserve mon titre de meilleur gardien ever. Mais du coup t'es le meilleur gardien toi, Miracle ? Miracle, il a coupé son micro. Oui pardon, oui j'étais troisième avant le j'étais troisième avant le BO et là bah, je suis peut-être repassé premier ouais. Nice. Bah c'est sûr avec 18 en 5 games, oui c'est sûr. Ouais, mais t'as combien de ratio ? 1,77 pour l'instant. Là je suis monté peut-être à 2-3. Ouais, tu remontes à plus de 2 ouais. Follow. Samba le. Je suis avec qui j'ai pas vu ? Ah nice, avec Samba, let's go. J'avais marre d'être avec QC, c'est chiant. Tiens, je te pousse un peu. Je vais tenter un Musty. Oh, je te donne de l'élan. Mais c'était bien tenté en vrai. Oh, hey. Oh, cette passe. Oh merde. Oh, cette passe de qualité supérieure quoi. Ça, bon mat. Ça c'était plutôt. C'est un total ça. Hein. Ouais. Moi je joue le rush. Hein. Je pars de ton. Oh, il m'a outspeed. Quel joueur. Non. Ah oh, moi je suis. Tiens, cadeau. Voilà. Yes. Non, est-ce que je l'ai vu l'autre là-haut. Oh my god, belle passe. Elle aurait peut-être pu être un peu plus forte, ça t'aurait mieux mis, je pense. Stark m'avait bien joué. J'aurais pu faire mieux. Ah, oh, sorry, j'ai pas suivi. PNP. Oh non. Lol. Oh, je lag, mais comment port. Oh, le jeu qui supporte pas le stream. Ça y est, ça se passe pas. Après, t'en as deux en même temps. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'avoue, je devrais peut-être enlever celui sur Discord, mais en fait. Ouais. Ça ce serait peut-être une bonne idée. Merci Stark, hein, du coup, heureusement que t'es là. Ah, je suis ça. Ah, ça, je suis pas le seul. Ouais, du coup, ça m'a fake. Je vais couper le stream sur Discord. J'étais tellement mal parti. Full troll. Sorry. Ah, je sais pas ce que tu veux. Ah, je. Ah. Qui va pour qu'on se mette d'accord. Sorry, sorry, je te laisse. Ça, c'est. Pardon. My bad. La violence. Ah, c'est clair. Oh, sur le fake. Incroyable fake. Oh merde. Merde, fois deux. Ah bah tiens, un troisième non oh. Un quatrième cette fois. Ah chef. Comme ça qu'on fait des pinches pour l'observation. Ouais. Génial. Nice. J'ai fait la technique de contorsation avec ta voiture. C'est pris pour Dalsim. Ok, ok. Je ne comprends rien. Je sais pas où je vais me placer. Non, je suis pas mal.
marche jamais, je suis trop nul. C'est mal fait. Belle prose. Oh, je suis trop nul. Heureusement qu'il y a un joueur dans l'équipe bleue. Deux. Deux dans l'équipe. Je me compte. Bien sûr que si. Merde. Cut, parce que c'est drôle. Oh merde, je t'entends arrêter. Putain, mais c'est quoi, c'est rebond aussi. J'avoue qu'il était sale celui-là. Ouais. Je me veux du mal. Frère. Hein. Ouais, je vais avec Samba. Allez, go. C'est parti. C'est qui part? Oh, chat. Bah c'est bon, je peux mettre que des potos 24 aussi. C'est bon. Je voudrais qu'il est choqué de vie. Oh, le tir est cadré. Bah ouais, mais genre vraiment, de ma vue, c'était pas dedans en fait. Ah putain. Bah ouais, mais genre, mais c'est un troll en fait. Là, non, mais c'est bon, rentre. C'est il va se vexer. Ça y est, je pleure. Du coup, je me venge sur Samba. Ah bah non, pas du tout. Karma instant. C'est clair. Même avant de le dire, je pense. Hein. Y'a moyen, ouais. Ah putain. Bah là, si Miracle a le niveau de Stark, ça va être compliqué. Aïe. Quelle violence. Pourquoi tant de haine en fait? Genre, qu'est-ce que je t'ai ça... fait? Ça juge un peu ici. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien du tout. En plus, je dis ça, mais en vrai, moi je pense à comme un compliment. Stark est très bon en vrai. Tant mieux. Là, c'est que c'est un compliment du coup. Ah, mais non, j'allais peut-être avoir. J'avais pas mon fusset, j'avais le seum. Ah, bah sorry. Non, je l'avais pas. C'est que c'était une passe. Ah, ouais, mais après, je me suis dit, tiens, je peux partir en fusset. Depuis, je fais une passe, et après, je suis parti en mode, tiens, je peux faire un fusset. Et après, j'ai raté mon fusset. Oh, ah. Retour salvateur. L'attaque-retour, hein. Demi-tour, je crois. Encore mieux. Samba, Thor Tank. Je suis là principalement pour faire chier. Ça m'aide beaucoup, du coup. Merde. Salut à tous. J'ai tenté. Ah, oh, sorry, belle passe. J'étais pas trop sûr de réussir à la faire dans tous les cas. Oh, elle était belle en vrai. Ah, putain. Pile de toi. Oh, sans doute, quelle interception. Merde. Je voulais te la mettre au sol, mais ça s'est mal passé. Ok. T'as pris ton flip là? Non, t'as pas ton reset. Non, je l'ai tenté sur le ceiling mais j'ai chié. Ouais, j'ai vu, mais je sais pas si tu l'avais chopé ou pas. Parce que je sais pas comment t'as tapé le ceiling. Avec le nez. Ah,
putain, je le sais. Tiens. Oh dommage. Je pense arrêter ça, moi. Encore mon back post, mais quand même. Non. Ça va. Hein. Ah. Oh, quoi. Bon, il est énervé celui-là. Je sais pas, j'ai eu le boost en moi. Ouais, t'as eu le boost, mais j'ai récupéré. Chez. Bon. M'en fous. Chez. Fais ton flip là, et on la passe. Merci. Incroyable. Yes. Oh, bien vu. Je n'ai pas, c'est quoi cette balle? Oh, t'es sérieux? Nice. D'accord. Tout le monde s'attendait à une énième tentative de pied de prisette, ah super. Bah, tu pousses dessus, lui, hein. J'avoue. En plus, j'ai Slurp derrière comme un gros sale. Ouais, j'ai fait la même, j'aurais pu être revenir. Ça aurait pu être pas mal. Ah, mais elle a quand même le boost. Il devrait mettre une boost cale sur Rocket en vrai. Faudrait qu'ils mettent des boosts sur le plafond aussi, ça peut être pas mal. Ouais, des boosts sur le plafond, ce serait insane. Non, il y en aurait trop. Dans les airs, tu vois. Bon, après, tu vois plus la balle, mais. Il y aurait trop de boosts, tu pourrais tout le temps voler. Ah, c'est pas faux. Une petite boule jaune qui se balade dans le ciel. Peut-être que t'enlèves celui du mid et que tu le mets au plafond. Non. Ah mais non, y'a pas de booster au central, je suis con. Ouais, je vais dire au rond central, mais bien. Dommage. Bah oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Après tout. Juste tenter. Comme ça que ça marche, hein. On teste et puis on voit si ça marche. Quoi, ça? Je tentais de fake, ça va, c'est bon. Ah non, mais je ne juge pas. J'oublie le boost. Oui. Tu me la remets? Dommage, Fuxi. Salut à tous. Lui, il en peut plus, hein. J'ai pas voulu s'y contrôler la balle en 2v1 face à mon mage, hein. Je pensais pour l'avoir sur le mur là, mais pas du tout. Ça a pas voulu. Beaucoup trop fast. Là, celle-là, elle est pas mal. Quoi. Comme kick-off.
m'assouplis. Je vais tellement bum samba là. T'es content sur ton mur? Ah ouais, je m'en fous, je reste. J'attends. Allez, voilà. Bon, alors, report. Miracle. Je ne peux pas, dommage. C'est ma faute, ça. Mais quoi? Mais sinon, c'est toi qui l'arrêtais. Mais bien sûr, 100% en fait. Ouais. Il a tiré fort lui? Non, il a fait encore un petit preset. Franchement, je fais de la merde, putain. Tellement prévisible. Ouais, mais là, je m'en fous que ce soit prévisible. Si je réussissais, c'était but en fait. Mais ouais, je fais de merde. Ah, voilà. Oh là là, ça sent le dribbling challenge de Samba. Hein. Oh là là, dribbling challenge. Oh putain! Let's go! Niveau 8 maintenant, de reaching les G. Hein. Ouais, hein. La dernière fois que je fais, c'était niveau 8. Hein. Avant, c'était niveau 5. Hein. Mais quoi, Adrien? Le 2 là? Oh, je sais pas lequel. Ouais, c'est le 2. Bah, je l'ai fini moi. Je finis, je me suis arrêté au 8, ça m'a fait chier. J'étais trop nul, j'ai arrêté. Ah. Oh, moi j'en ai galéré, tu peux me demander à Stark, il était avec moi. Ouais. J'étais vraiment pendant 4 heures, gros, à refaire les. Les Dublin Challenge. Ah, j'ai pas la patience. À 4 heures quand même, c'est un peu poussé. Oh, je sais pas, patience. Ah bah, je crois que ouais, c'est pour les dribbles. Hein. Ah, les dribbles. À le faire, déjà, j'en pouvais plus. Oh, dommage, c'était pas là. J'y ai presque cru. Il aime bien son solo play. Hein. Je t'avais pas vu en fait. Oh, mais genre, elle drop. Ah, bien sûr qu'elle drop. À quelle heure? Oh non. Mais bien sûr, je tire dessus, bien sûr. Merde. Bien joué ça. Ça, c'est un contrôle, ça aussi. Non mais... Quel moment t'es plus rapide, genre? C'est pas grave. Tiens. Vas-y. Ah, oh, dommage. Bah, t'aimes faire la passe? Ouais, je veux faire la passe. Je m'entraîne avec Soy sur ça. Bon, on y arrive, hein, mais. Putain, il en peut. Pression. Ah merde, t'es là-bas. J'ai touché quoi, putain. Change de team en plus et tout. Quoi? Je vais en faire une dernière. Après, j'ai couché moi. Ça marche. Auto. Auto. Ah bah, coucou Samba. Allez, ça. On est dans un chapeau en vrai. Wouah! Ah, sorry. Yes! J'ai bien sauté pile dans l'angle, histoire que ça saute pas du coup. Oh là. Le poteau là. Ça va, t'es dans la même démarche que moi quoi. Oh, dommage. Ah,
Merci, le bout. Salut. Bah, quadruple touch, hein, normal. Oh non, j'abuse. Oh, sorry. Casse-toi. M'a saoulé là. Oh merde. Oh là là. Bah c'est toujours une touch chelou hein, de toute façon. Toujours un but avec un angle. De merde. Ah ouais, non, mais toujours. Oh. Ah. Oh, la praline. Ah, chaloupe. Ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est pas lourd. Ça, c'est dommage. C'est que j'ai vu, j'ai entendu le truc, j'ai fait merde, y'a un truc. Je l'ai mis trop tard. Oh non, j'ai raté le boost. J'ai loupé le boost. Alors Samba, il va faire un petit dribbling, nice. Putain, je la pousse trop loin à chaque fois. Oh, t'es sérieux? C'est ça que j'y croyais pas, hein. C'est bon, j'avoue, j'ai un peu la flemme aussi. Oh, t'as su, à vous t'as su. Non. Mais je connais. Très dommage. Je suis bumps. La violence. Ah c'est clair putain. Oh sorry bien vu. Si moi je t'ai dégagé. Oh non, non c'est mal. Ça s'appuie ça. Ok. Ok. J'ai mis le mettre celui-là, putain. C'est mes boosts. C'est mes boosts. Écoute de passe. Hein. Bah merci. Non mais je suis karma parce que j'ai pas trust mon mate. Donc c'est tellement gêné entre nous. Oh non mais c'est moi j'aurais pas dû sauter, j'étais pas trust et karma. Sans faire des trucs du là. Oh pas ça tente des trucs hein. Mais ça tente juste. Ça tente des trucs. Ah oh, c'est Céline Pinch que je viens de faire, quel dommage. Allez Samba, dommage Samba. Je peux jamais tenter mes doubles tapes en fait. Parce qu'elles sont full obvious. Et à 0 km heure généralement. C'est pas le plus pratique.
Ah, il y en a un qui a voulu me démo quelque part, j'ai l'impression. Je me suis fait karma du coup. Ah bah. J'ai voulu démo, je me suis fait karma. Peut-être un. Oh, t'es sérieux? Oh putain, ce boss! Oh, ce génie! Quand ça passe, moi ça me va. La jeune était sur le kick-off goal. Putain, le late kick-off quoi. Toujours. Oh là là, Star qui arrive. Incroyable. Voilà. Non. Non, elle est pas les backboards. Merde x4. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, tu galères pas trop. ça va, je me mets bien en vrai. T'as vu les tornados spin comment ils sont pas mal? Bah c'est un peu le seul 50 que tu m'as pris quand même sur cette game hein. Faut pas non plus bah, t'enjailler hein. Mais voilà, c'est utile, tu vois, si j'aurais pas fait ça, ben... Si j'aurais, ça va. Je l'aurais pas eu. C'est vrai que je le j'aurais, il m'a touillé. Ah ouais. On s'est un peu gêné aussi là, je suis désolé, j'étais... T'inquiète. Tiens, wow. Aide-moi. Il va me baiser. Il me baise. Oh, c'est bon. Sérieux. Putain, t'avais encore aussi le boost, je pensais tellement pas. Ah ouais. Hein? Stop, ça dans tous les sens, ça me prend le boost en fait, genre c'est insupportable. Alors là... Oh bien joué. Let's go. Oh. J'ai pas le boost, ouais. Putain. C'était quoi ce flic? Il m'a arrêté sur place. Je... Ah, pinch, dommage. Merde. Quoi ça? C'est une passe. D'accord, bah je loupe, nickel. LPNP ne le mettra pas. Je l'ai dit. Oh, Colette ouais. Boy. Dommage, c'était pas loin. Tu l'avais eu ou pas ton VZ? Non, je l'avais pas eu, j'avais 0 boost. Ah, rip. Tu l'avais pas, comment t'as atterri là sur... Ah, ok. Ouais. GG à tous. GG. Mais je. Sur ce, bonne nuit. Parce qu'il y en a qui doivent se lever pour 8h. Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Bah, je sais pas quelle heure je me lève, moi, perso. Donc... Ouais, ça va. Hein. T'es. Hein? C'est bon.
Oh bah ouais, bonne nuit, hein. Ouais, bah bonne nuit. Allez, hein. Allez, hein. Ah bah, allez, bonne chance. Ouais, super, hein. Waouh. Sois bien. Tresse. Ouais, allez, Tresse. Je reviens de ce. Vas-y, ça me laisse le temps de me faire une clope, tiens. Ah putain. Bon, ça va encore un peu. On s'est pas pris 18-0 à cause de moi, ça me va. Bah non, t'as bien joué. Moi, je fais de la merde, j'ai un peu troll sur ces games. Wesh. Il y a eu des bons moments où j'ai eu des gros plaies de cerveau. je voyais blanche. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, je fais là le bordel. Oh, let's go, j'ai du car. Oh non, vas-y, me mettre le sou, putain. J'en peux plus, Ah, c'est avec. J'ai plus le nom de la caisse mode que ta voiture. Pas le truc tout blanc dégueu. Ah non, c'est juste que j'ai acheté Octane Bleu. Non, je parle de, tu sais, même la peinture. Mainframe. Ah, non, la couleur, je parle. Bah, j'ai pas de question. Ah. C'est moi en training, j'ai. Ça me met direct voiture blanche. Ah, mais c'est parce que je suis en training personnalisé. Ah. Scatty aussi, j'ai pas osé y aller. Je fais tellement la passe. Tu es à gauche. Nice. Pas de passe. Putain, les kick off goal, le roi. Bah, t'as dit à gauche. Ouais, non, mais c'est bon, tranquille. Putain. Il s'énerve, là, ça y est. Non. Pourquoi j'avais un but vide devant moi? Oh, je fais de la merde, en fait. J'aurais dû le laisser en vrai. J'étais un connard de la fin. Lui, il m'aime pas. T'as voulu l'aider, on va pas se faire. Hein. Putain, mais y'a personne qui y va, quoi. Oh, putain. Le bon gros 1v3. Ouais, je t'avais un peu mis dans la merde, tu m'excuses pas. T'inquiète. Il a l'habitude. Le roi du cool. Ça lui ressemble pile dessus. Oh, on est pas loin, putain. Ah. Sauter comme un plot. Oh non. Oh, putain, t'es une squishie, là? Non, non, je voulais à la base, mais elle était trop lente pour que je tente une squishie. Enfin, à moitié trop lente, je sais pas, c'était bizarre. Non, trop rapide, mais je trouve qu'elle était lente. Si, ok. Bah, c'était proche déjà, surtout. Ouais, c'était déjà trop proche. Ah,
Merde. Pardon, copain. Je vais arrêter après cette game, j'arrive plus à jouer. Je suis en PLS. Une fois que c'est pas la manette. Bah là, il y a la manette aussi, hein, mais la mousse. Ah. Voilà. Le combo ultime. C'est ça. Oh, putain, je suis trop trop. Ah, si, mais ça par contre, c'est des. Ah, mais c'est ce qu'on croise, hein, en casu. Ah, ça va combien 2400, 2450, bah oui, normal. Ah, tu. Démo. D'accord, voilà quoi. Pour moi là. Oh bah il a les mêmes dessus. Génial. Oh, je me suis fait bloquer par tout l'univers. Attention, Mystic kick off. Ah bah non. Ouah, le plongeon. Oui, il a fait l'attaque tunnel, j'étais parvu. Ouais, t'as juste de merde. Magnifique. Oh, j'en peux plus. Bonne nuit, miracle, à bientôt. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Oh la vache. On a un peu tombé sur des acharnés. Ouais, aussi. Je vais t'arrêter. Tu m'as fait peur. Toujours. Toujours un peu d'adrénaline, hein. Le lol. Ah. On sait ce qui l'excite, yes. Ah oh, non, vas-y. J'ai pas réussi ce match. J'avais mid. Le bon mid. C'est ça mid. ah bien vu, je suis pas là. C'est... Après il s'est envolé. Après il s'est envolé. Ah je la touche une fois pas deux, hein, c'est bon. Putain mais gros, mais ça tryhard là. Ils sont 8-1, non c'est pas assez. Non. On va continuer jusqu'à 14-1. Ah ce sera pas assez je pense. Ouais, le pire en plus c'est que là ils voulaient mettre le but sur kick-off de mort là. Genre ils étaient à fond. Ah, ouais, je pourrais rien faire. Ouais, je tentais pour la pêche, pour la rediriger un peu dans les caches quoi. Allez, tu tentes. Ah, merde, mon bad. Oh là. Bah tiens, lave-la la pitch. Bah nickel, merci. C'est un très beau tir, gros. En plus, c'est cadré donc c'est magnifique. Bah, t'as que psycho a très bien marché, hein. Non, le gars il s'en fout littéralement, le gars. Je sais pas ce qu'il va faire. Sérieux. Non mais non, ah, ils sont sérieux là. Tout ça pour ça, hein. Mais il en peut plus, hein, ce gars. Hein. Genre, il est sérieux là, il a vraiment mis ça. Non mais gros, non mais juste. Non. Oh non, en plus j'en peux plus là, je suis en PLS. Bon, vous avez compris, hein, c'est la fin pour moi là, là je peux plus. Yes. Ouais, bah nous on va aller sur Far Cry, je pense, on va taper des singes. Non, bah, on a déjà joué contre des bonobos là, on peut retourner à la taper des singes. Ouais, vas-y.
Bon, allez, les gars. À plus, bonne soirée. Ouais, bah bonne soirée, soirée. c'était cool, à plus. Yes. Et merci à ceux qui nous ont suivis pour le live, et puis à la prochaine.